Ça va, je vais beaucoup mieux. Je vais mieux que avant l'opération. Alors, c'est positif. Pour le moment, ça va juste les cicatrices qui m'ont fait ici dans les pieds. Maintenant, ça va. Jusqu'à la prochaine saison. Cette saison, c'est fini. Ouais, j'ai souffert 4 mois avec la même blessure. Ça part et ça vient et ça part et ça vient. Retourner le plus vite possible sur le terrain. Ça veut dire ici maximum 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, essayer de retourner sur le terrain. Et je vais travailler aussi pendant les vacances et tout ça. Maintenant, je ne vais plus avoir mal, j'espère. C'est 99% que la blessure ne revient plus. Et c'est l'objectif. Avec cette blessure-là, il faut avoir beaucoup de patience, de repos et travailler dessus. Mais il ne faut pas trop forcer. Et ce qu'on a fait pendant 4 mois, c'était bien et tout ça. On a bien fait avec les kinés et tout, mais ça n'allait toujours pas. Ouais, c'est très bon. Je suis resté un mois et demi en Belgique. Fait un petit peu la réalisation, un peu de kiné et tout. Et maintenant ici, je commence à travailler. Je comprends un petit peu l'espagnol. Ben, c'est de revenir le plus vite possible pour jouer avec l'équipe et tout ça. Ça va beaucoup mieux. Je connais maintenant des endroits et tout ça. Je parle un peu espagnol, je comprends. C'est mieux. Il était déjà là quand j'étais ici, avant l'opération. Et j'ai parlé avec lui déjà avant et tout. Et maintenant, quand je suis revenu aussi, je parle avec lui, très positif. Je dois rester ici tout l'été pour travailler, pas de vacances cet été. L'année qui vient est importante pour moi. J'aimerais bien montrer de jouer sans blessure pendant toute une année, on va essayer. C'est pour ça que quand on a choisi de faire s'opérer, c'est de faire opérer le plus tôt possible. Ouais, cette année est très difficile pour toute l'équipe. On a changé 3 fois d'entraîneur. Et maintenant, l'année qui vient, elle sera beaucoup mieux. Déjà, cette année, on a tous travaillé. On travaille tous les jours au travail, à l'entraînement. On essaie de prouver ça au match. Mais voilà, cette année, ça va pas être très, très bon. Et on espère que l'année prochaine, ça ira bien. L'objectif, c'est de gagner les 2 derniers matchs de championnat.